Ça marche? Alors, bonsoir. Donc, pour les nouveaux arrivants, j'explique un petit peu. Donc, on fait ces cycles de conférences maintenant. On a fait une année sur l'alimentation. On a commencé en 2014, 2 ans, un cycle de 2 ans sur les alternatives, d'où la conférence de ce soir sur les alternatives à la consommation. Alors, quand on parle d'alternative à la consommation, ça veut dire quoi? Ben, ça peut vouloir dire beaucoup de choses. Vouloir dire le bio versus le non bio, ça peut vouloir dire un élevage respectueux des animaux en opposition à un élevage intensif. Ça peut être le textile, ça peut être les meubles, les voyages, même les choses immatérielles. On est tous des consommateurs et on a tous un impact quand on fait un choix de consommation. Alors justement, c'est un travail de recherche un peu difficile pour le consommateur, c'est même un casse-tête parfois. Et c'est pour ça qu'on va avoir déjà le point de vue de la FRC qui devait conclure, mais qui va commencer. Donc ce sera bien quand même. Mais voilà, le point de vue de la FRC qui fait un gros travail de recherche pour les consommateurs, qui informe avec un journal et qui aussi connaît pas mal de choses sur les labels. On aura aussi pour les labels, l'intervention de Christiane Fischer, qui vient de l'association romande des magasins du monde, qui sont des spécialistes du commerce équitable depuis 40 ans en Suisse romande, vraiment des pionniers. Donc, on entend beaucoup de choses sur les labels, il y a des controverses, surtout d'ailleurs aussi sur le bio, on ne sait plus tellement où donner de la tête quand on est un consommateur. Donc, Christiane nous éclairera sur ce sujet. Et puis, pour finir, eh bien, le point de vue du sociologue. Qui consomme quoi, comment et pourquoi. Donc avec Philippe Balsiger qui vient de l'Institut de Florence et qui fait pas mal de recherches sur le côté sociologique de la consommation. Voilà. Et en introduction, je donne toujours la parole au Centre de documentation d'Alliance Sud, que certaines personnes ne connaissent pas encore et puis qu'il est bon de connaître. Donc c'est Amélie Valoton qui va parler du Centre de documentation d'Alliance Sud. Bonsoir. Donc, en fait, on nous donne la parole dans ces conférences parce qu'on a la chance d'avoir un partenariat avec la Fondation pour le Progrès de l'Homme et puis les associations de Dickens autour de ces conférences. Donc, nous, notre mission, c'est de soutenir les conférenciers et le public avec de la documentation. Donc, à chaque fois, on produit un dossier papier que vous trouvez là devant, enfin sur la table devant la porte, vous pouvez vous servir, et aussi un dossier en ligne que vous trouverez sur notre site internet www.alliancesud.ch/documentation. Voilà, donc rapidement, Alliance Sud, c'est donc, pour ceux qui ne connaissent pas encore, la plateforme politique des œuvres d'entraide suisse, donc Suisse-Aide, Action de Carême, Pain pour le Prochain, Helvetas, Caritas et les Pères. Et donc, Alliance Sud anime 2 centres de documentation qui sont ouverts au public et d'accès gratuit, un à Berne et un à Lausanne. À Lausanne, on est spécialement spécialisé dans l'actualité. Donc, on suit toutes les sources d'actualité, les quotidiens suisses romands en particulier, français et francophones en plus général, et puis toutes les revues spécialisées dans nos thèmes qui sont la mondialisation, les relations nord-sud, tous les enjeux globaux, les relations internationales, etc. Et puis forcément, la consommation est un thème pour nous, puisque consommer, c'est aussi avoir un impact sur les pays du Sud. Donc, juste le dossier de cette fois, donc c'est pas moi qui l'ai fait, c'est mon collègue, c'est pour ça que je dois vérifier sur mon petit papier. Il l'a articulé autour des thèmes du commerce équitable, de la publicité marketing, le thème général de consommer autrement et puis le textile. Voilà, donc c'est les mêmes thèmes qu'on retrouvera aussi sur le site internet, mais d'autres articles, parce qu'on essaie à chaque fois de varier un maximum les sources et les plaisirs. Voilà. Donc je vous invite à nous rendre visite sur le site et au centre de documentation à l'avenue de Cour numéro 1. Voilà, et puis juste, je fais aussi passer une petite liste de présence si vous voulez recevoir les invitations aux prochaines conférences. Et puis, je donne la parole à Aline Claire de la Fédération romande des consommateurs. Voilà, bonjour, je suis contente de pouvoir. C'est bon, vous m'entendez? Oui, de pouvoir parler ici. Je m'excuse déjà, je devrais partir avant la fin de la conférence pour des raisons familiales, enfin, d'imprévu familial, voilà.
Je vais commencer tout de suite, vu que j'enchaîne sur la présentation d'Alliance Sud. J'ai aussi mis un article que j'ai trouvé dans le journal de nos confrères français UFC Que Choisir, qui, je pense, aurait sa place dans le dossier préparé par l'Alliance Sud. C'est un article intitulé « Peut-on se passer des supermarchés ?» Voilà, c'est est-ce qu'il y a des raisons de boycotter les hypermarchés en France qui sont quand même bien plus développés qu'en Suisse, mais c'est un article que j'ai trouvé très intéressant à lire. Donc, il est dehors avec toute la documentation. Donc là, quand Nadia m'a appelé pour parler de la conférence « Consommer autrement », j'ai un peu réfléchi. Est-ce que la FRC appelle à consommer autrement ou appelle à mieux consommer, ou qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus? Alors, comment ça se met comme ça? Non? Oui? Ah, je pense, voilà, oui, je pense qu'il faut faire comme ça. Ouais, c'est bon. Non, mais il faut le mettre en menu présentation. Ah, là? Voilà. Voilà. C'est comme ça que ça met, voilà. Bah, je sais pas. Voilà. Ouais, c'est pas. Voilà. 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 PowerPoint, voilà. Oh là là, bon. Voilà, mais bon, je crois qu'on va faire. Je vais le faire en PDF, quoi, voilà. Ah, pas sur la flèche, moi je sais pas. Non, il faut l'ouvrir avec aperçu. Là, voilà. Oui, mais voilà. Non, il veut quelque chose. Il veut de la donner. Bon, voilà. Alors, on va y aller comme ça. Voilà. Et en fait, j'ai repris le cadre général dans lequel s'inscrit l'action de la FRC, qui est une action non seulement sur les droits des consommateurs, mais aussi sur leurs devoirs. Et d'une certaine manière, consommer autrement, c'est déjà ça, c'est être attentif à ses droits de consommateur, droit à avoir des produits sûrs, avoir des produits, avoir l'information qui permet de choisir ses produits, avoir un choix qui permet de différencier, droit à la réparation des torts. Et les devoirs des consommateurs, c'est aussi, notre action, elle s'inscrit aussi dans le cadre de sensibiliser les consommateurs à leurs devoirs. Et leur devoir, c'est aussi veiller à ce que leurs droits soient respectés, parce que parfois, en tant que consommateur, on est découragé, on râle, mais on ne va pas aller jusqu'au bout pour essayer de faire respecter nos droits. Et je pense que des consommateurs qui réfléchissent avant d'acheter, qui connaissent leurs droits, qui réfléchissent aussi aux impacts de leur consommation, que ce soit sur les travailleurs qui ont fabriqué leurs produits, sur les vendeurs qui travaillent dans les magasins, ou bien sur l'environnement, c'est déjà une consommation qui est un peu autre que la consommation sans réfléchir. Donc, le fait de réfléchir à sa consommation et d'essayer d'avoir le maximum de ses achats qui est issu d'un choix conscient et réfléchi, c'est déjà d'une certaine manière consommer autrement, ne serait-ce qu'en se posant la question, est-ce que j'ai besoin de ce que j'ai envie d'acheter? Déjà de se dire, ben voilà, de prendre le temps de se dire, voilà, ne pas acheter sans réfléchir avant, de savoir si vraiment, d'analyser vraiment si l'achat envisagé, il correspond
un besoin, un réel besoin, si ce n'est pas une manière de, comment dire, de combler autre chose que d'acheter. Et puis dans ce cas-là, la FRC, elle essaye de s'engager sur plusieurs plans pour les intérêts des consommateurs, mais les intérêts des consommateurs perçus d'une manière responsable. Il y a d'abord toute notre activité qui est peut-être la plus connue, c'est d'informer les consommateurs, de faire des enquêtes, de faire des tests sur les produits, voir ce qui se cache derrière les produits, quelles sont la manière dont ils sont réalisés. Alors ça passe, les résultats sont publiés soit dans notre journal FRC Mieux Choisir ou sur le site internet. Il y a aussi toute l'activité d'interaction avec les consommateurs au niveau individuel. On a une permanence qui renseigne les gens sur voilà, ben, les gens ils sont confrontés à toutes sortes de problèmes ou de questions. On les renseigne sur leurs droits, sur les informations auxquelles ils peuvent prétendre. Mais il y a aussi tout du soutien individualisé quand il y a des conflits ou des litiges avec certains acteurs économiques. Ça peut être le cas avec les maisons de recouvrement, ça peut être le cas avec les opérateurs de téléphonie. Puis après, comme on est une association où les consommateurs se regroupent, c'est aussi pour agir au niveau collectif. Et là, justement, c'est l'idée de, comment dire, sur la base des informations qu'on récolte via la permanence ou des problèmes qu'on constate, d'aller essayer de faire changer les choses à différents niveaux, alors que ce soit auprès des cantons via nos sections cantonales, au niveau fédéral, ça peut être via la Confédération, soit des offices fédéraux, soit des lois, ou bien de s'engager à des négociations avec les acteurs économiques. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler, mais il y a une semaine, on est arrivé à un résultat après des négociations avec les opérateurs de téléphonie mobile pour qu'ils modifient leurs conditions générales dans un sens plus favorable aux consommateurs. On avait beaucoup de consommateurs qui se plaignaient que leur contrat était reconduit tacitement d'année en année. Donc voilà, si on loupait l'échéance pour résilier le contrat, on était reparti pour une année d'abonnement. Alors ça, on a obtenu que passer les 1 ou 2 ans initiaux durant lesquels on est lié, parce que si on a obtenu un appareil téléphonique meilleur marché, après on pourra résilier les contrats de mois en mois et non plus d'année en année comme avant. Bon, c'est pas, ils sont engagés à faire ça, ça va peut-être mettre jusqu'à la fin de 2014 pour qu'ils implémentent ça. On a aussi obtenu qu'ils arrêtent d'appeler des abonnements illimités, alors qu'ils ne sont pas vraiment illimités. On avait des cas aussi de gens à la permanence qui disaient j'ai souscrit un abonnement illimité et puis pourtant on me facture parce que ma consommation dépasse ce que eux ils considèrent comme illimité alors que quand on vend quelque chose comme illimité ça devrait l'être vraiment. Voilà, donc ça c'est des résultats qu'on peut obtenir parce qu'on engage parce que l'association s'engage pour faire vraiment changer les conditions générales de consommation. Je veux juste rappeler quelque chose, le journal de la FRC, c'est FRC Mieux Choisir, c'est pas Bon à Savoir, qui est un journal de consommation, mais qui n'est pas une association, donc qui n'a pas toute cette action collective de défense des intérêts des consommateurs. Puis l'autre différence entre ces deux journaux, c'est que FRC Mieux Choisir n'a pas de publicité, au contraire de Bon à Savoir. Voilà. On constate dans la consommation des tendances ces dernières années, ça c'est des tendances en matière alimentaire, mais je pense qu'elles peuvent aussi s'appliquer en grande partie à d'autres biens de consommation. C'est qu'il y a une mondialisation des échanges qui est de plus en plus grande. On a de moins en moins de contact en tant que consommateur avec les producteurs, ceux qui ont vraiment réalisé le produit. On sait de moins en moins qui fabrique les choses, comment ça se passe. Plus beaucoup de liens directs. Et puis bon, dans le domaine, on est passé dans une. Alors, en 100 ans, on est passé d'une société où le risque de manquer était important dans l'esprit des gens. Manquer de nourriture, mais aussi on devait vraiment, disons, calculer, on devait utiliser les choses avec parcimonie, alors que maintenant, on a vraiment un risque d'abondance. Et puis, je pense que comment dire, la surchauffe liée à ces tendances conduit une partie de plus en plus importante des consommateurs à se demander à chercher d'autres moyens de consommer ou une consommation qui est plus responsable. Alors là, je me suis dit, mais c'est quoi une consommation? Consommer autrement? Une consommation alternative, qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est plus écologique, plus social, plus éthique, plus juste, plus responsable? Ou est-ce que c'est simplement moins de consommation? Une consommation qui répond à nos besoins?
mais qui est, disons, qui est pas exagérée. Je pense que on pense quand même qu'une autre consommation, c'est une consommation qui va vers plus de durabilité, même si c'est un petit peu un valise. Donc là, en essayant de se dire, mais c'est quoi une consommation durable, en reprenant les trois pôles du développement durable, on voit que ça implique vraiment beaucoup de paramètres. Il y a la question du prix, du juste prix, un prix qui est juste à la fois pour les travailleurs, les producteurs et les consommateurs. Des questions des salaires équitables, des conditions de travail pour les ouvriers ou les petits paysans, et tout l'aspect de l'environnement et puis des impacts sur l'environnement que génère la consommation. Le problème, c'est que c'est difficile de tout savoir ou de tout appréhender dans ces trois domaines parce que les consommateurs, contrairement à tous leurs interlocuteurs qu'ils ont, ce n'est pas des professionnels, donc c'est pas, ils savent souvent. On ne peut pas tout savoir sur tout ce qu'on achète. Quand je dis les consommateurs ont des moyens limités, ce n'est pas forcément en parlant d'argent, mais c'est aussi en moyen justement de connaissances. Est-ce qu'on peut tout savoir? Non. Et puis, il y a des degrés de formation très différents parmi tous les consommateurs, parce que les consommateurs, c'est 100%, quasiment 100% de la population, et ça touche un nombre de domaines assez incroyables. Textile, l'alimentation, les assurances et bien sûr l'alimentation. Au niveau des moyens à disposition pour consommer autrement, il faut que les consommateurs soient sensibilisés justement à l'impact de leur consommation. Une fois qu'ils sont sensibilisés, il faut y avoir l'information pour permettre de choisir quelque chose d'autre. Et puis après, il faut que ces autres produits ou ces produits qui sont élaborés dans des conditions différentes, ils soient aussi disponibles. Donc après, il y a quand même toujours, on se retrouve toujours face à des arbitrages qui ne sont pas toujours évidents. Donc il y a le problème de l'information. Il y a le problème que, par exemple, parfois le choix écologique, ouais, sa seule qualité, c'est d'être écologique. Et puis le consommateur qui fait ce choix, il doit accepter beaucoup d'inconvénients. Par exemple, avec tout le développement des vols, l'aviation low cost ces 15-20 dernières années, on sait que ce n'est pas écologique, que ça consomme énormément de CO2 par kilomètre parcouru. Mais quand on cherche des alternatives, par exemple, le train, voilà, ça va durer plus longtemps, ça va coûter plus cher, ça va être plus compliqué. Il faut être sacrément motivé pour assumer ces choix-là, puis décider de les faire quand même. Donc, c'est. Ouais, voilà, moi qui. Des fois, moi, je prends quasiment jamais l'avion. Des fois, j'ai vraiment l'impression, je me dis, voilà, je pars, je fais pas des week-ends dans les villes européennes. Voilà, heureusement que je suis sûre de mon choix, mais je pense que c'est pas toujours évident. Il y a aussi le problème de l'offre en produits en produits alternatifs qui est parfois pas satisfaisante ou bien insuffisamment développée. Donc là, j'ai mis comme exemple les détergents de lave-vaisselle sans phosphate. Alors ça, c'était le cas il y a 10-15 ans, c'était très difficile à trouver. Ils avaient des performances de lavage qui n'étaient pas satisfaisantes. Et puis là, là, on voit que ça s'est amélioré. Donc maintenant, on peut en trouver quasiment partout. Et ils sont aussi ils ont des meilleures performances qu'il y a 10-15 ans. Donc là, c'est la preuve que des produits, comment dire, des avancées un peu techniques peuvent améliorer la situation. La facilitation du choix, ce que j'ai voulu dire par là, c'est que parfois pour consommer autrement, il faut accepter d'aller au contre-courant et de consacrer du temps à aller chercher des produits un petit peu alternatifs, parce que avec les centres commerciaux, tout est fait pour rendre les choses, la consommation la plus simple possible. Et puis parfois, il faut accepter de prendre un peu plus de temps pour aller voir deux, trois commerces qui ne sont pas forcément implantés dans la zone commerciale la plus facile. Et puis parfois, on est face à des sentiments d'impuissance, face à trop de complexité. On se dit, mais comment faire? Par exemple, dans le domaine de tout ce qui est informatique, multimédia, téléphone, parfois on se retrouve, il y a tellement de paramètres de choix que on peut être désemparé ou bien se dire, voilà. Il faut que j'ai tant de paramètres, voilà, je cherche quelque chose qui va satisfaire mes besoins. Et si en plus il doit être, par exemple, écologique ou éthique,
eh ben, ça complique le choix. Donc, c'est parfois. Certains consommateurs nous disent, mais on aimerait que ça soit d'office comme ça, que ça soit interdit qu'il y ait sur le marché des produits qui ne sont pas corrects du point de vue éthique et écologique. Ben, nous, on essaye de faire que la situation s'améliore. C'est pas, disons, on sait que ça sera un combat de longue haleine parce que effectivement, philosophiquement, on ne devrait pas avoir le choix. Disons, avoir le choix entre un produit qui correspond à mes besoins, mais qui est produit dans des conditions sociales inacceptables, un produit qui ne correspond pas à mes besoins, mais qui est complètement produit dans des conditions socialement acceptables, c'est pas un vrai choix, quoi. C'est pas un choix, c'est un faux choix. Voilà, donc ça, c'est parfois l'impression qu'on peut avoir en tant que consommateur. Et puis ben là, après, je vais finir par deux pistes, enfin deux moyens de consommer autrement. Il y a toute la tendance maintenant à acheter de plus en plus local. C'est une tendance qui a commencé à se développer il y a, je dirais, une quinzaine d'années. On voit que maintenant ça se développe fortement. Et puis les grands distributeurs, ils ont repris ça. Il y a une grande campagne de la COP ces temps de ma région, quoi. Ils ont bien compris qu'il y avait un trend et puis ils surfent là-dessus. Mais il y a de plus en plus de consommateurs qui souhaitent acheter local. C'est pour de multiples raisons. Il y a à la fois l'aspect social, de préserver des emplois, préserver des emplois en zone rurale, mais aussi pour rechercher des produits qui sont plus authentiques au niveau de l'alimentation, peut-être moins trafiqués, moins industriels. Et puis, il y a aussi tout l'aspect des cycles de transport en disant bah, ces produits locaux, ils n'ont pas fait 3 fois le tour de la Terre, ils sont plus écologiques. Donc, comment acheter local? C'est pas toujours. Si on est dans les circuits de la grande distribution, c'est pas toujours évident parce qu'il faut vraiment se pencher sur les étiquettes ou bien les indications pour trouver la provenance la plus exacte possible. Et puis, après, on aimerait aussi avoir des fois des informations sur les modes de production parce que quand on a des tomates locales au mois d'avril-mai, ben. Elles ne sont pas poussées en pleine terre, elles ont poussé dans des serres hors sol chauffées. C'est pas forcément très très écologique, mais on va nous les vendre comme étant locales, en n'indiquant pas toujours qu'elles sont issues de serres chauffées. Et puis un des modes de consommer pour consommer plus local, c'est d'aller vers des filières plus directes qui permettent de relier sans intermédiaire le producteur et le consommateur. Parfois, on dit, ah oui, on monte une filière du producteur au consommateur, mais toutes les filières, elles vont du producteur au consommateur. C'est juste le nombre d'intermédiaires qui parfois posent question. Donc, il faut aussi savoir qui est le producteur et avec quel type de producteur les consommateurs, ils peuvent avoir des liens directs. Dans le cas des fruits et légumes, ben, ça va être le maraîcher, qui est vraiment le producteur des fruits et légumes dans lequel on peut avoir un contact direct. Quand on parle du pain, alors c'est. Même une filière qui essaye de rassembler producteurs et consommateurs, il y aura forcément un meunier qui va intervenir pour moudre le blé, enfin de la farine, et puis après un boulanger. Mais on aime bien pouvoir retracer ces filières-là. Et puis il y a certains boulangers en Suisse romande qui commencent à monter des filières où ils disent vraiment, bah, moi j'achète. Ma farine, elle est faite à partir du blé de tel agriculteur, elle est moulue dans ce moulin-là, et puis moi, je fais vraiment un pain local, donc c'est des démarches qui se développent. Et puis ben là, il y a aussi beaucoup de magasins qui se développent sur la vente directe. Ça, c'est une coopérative de producteurs dans le Val d'Illier qui permettent de mettre en valeur les produits des paysans et puis des artisans locaux, et ça permet vraiment aussi d'avoir un dialogue entre producteurs et consommateurs. Un exemple, des démarches qui se sont vraiment bien développées ces dernières années, c'est l'agriculture contractuelle de proximité, ou sous sa version un peu plus simple, les paniers de légumes qui sont livrés. Dans le cas de légumes, c'est livré toutes les semaines. Ça peut être aussi des produits de garde qu'on livre 1 ou 2 fois par année. Ça, c'est un moyen de rapprocher producteurs et consommateurs et de demander aussi aux consommateurs de s'engager un peu plus en disant, ben voilà, quand je souscris un abonnement, je m'engage. Ça peut être pour une année ou pour une saison. À consommer local. Et puis là, ben ça, ce qu'on voit, c'est que ça se développe vraiment bien. C'est que en 2005, j'avais fait un recensement, je n'avais trouvé 8 démarches en Suisse romande, et puis maintenant, on est à plus de 55 en Suisse romande. Bon, il y en a qui durent pas forcément, il y en a qui apparaissent, il y en a qui disparaissent, mais la plupart, elles sont quand même
plutôt bien pérennes. Donc là, sur le site de la FRC, on essaie de tenir à jour la liste la plus exhaustive possible de ces démarches. Donc il y a principalement c'est des légumes, mais il y a aussi des produits de garde comme des céréales, ou aussi maintenant dans le Jura bernois, il y a une démarche avec de la viande aussi, où on est livré, sauf erreur, toutes les deux semaines avec un assortiment de viande du terroir. Alors la FRACP, qui est la Fédération romande d'agriculture contractuelle de proximité, elle estimait qu'il y avait environ 1% des ménages romands qui étaient touchés, concernés. Mais c'est quand même, alors ça peut sembler très peu, mais en même temps, je pense que symboliquement, c'est très important. Et puis, c'est des, quand on est abonné à ce type de structure-là, on va aussi faire nos achats peut-être d'une manière un peu différente. On va être informé de ce qui est vraiment un peu de saison dans sa région, parce que ce qu'on a dans le panier. Et puis, ça permet aussi, quand on va dans des structures plus traditionnelles pour acheter, de réfléchir à ce qu'on achète, de se dire, ben voilà, je m'informe, je regarde ce qui est écrit sur l'étiquette en magasin avant de choisir, puis non pas de retour à la maison en me disant, oulala, j'ai acheté quelque chose que je ne pensais pas acheter. Voilà. Et puis là, c'est dans un autre domaine que l'alimentation, c'est dans le domaine des technologies, de l'information et de la communication, où là aussi, il y a, disons, les consommateurs se sentent parfois démunis face à l'absurdité de certaines choses. Ben voilà, j'ai mon imprimante, elle est en panne, il suffirait d'un petit quelque chose pour la réparer, mais la pièce détachée n'est plus disponible. Ou bien mon ordinateur, il a juste besoin d'un peu plus de mémoire pour bien fonctionner, mais c'est quasiment impossible à dévisser parce que c'est soudé, enfin l'ordinateur est soudé, ce qui fait qu'on ne peut pas le réparer. Face à ce genre de questions, ben là, c'est un cas vraiment où les consommateurs peuvent se sentir démunis. Nous, on a souvent des gens qui disent « j'aimerais bien faire réparer mon appareil ». Mais je sais pas où le faire réparer. Quand je l'amène à la garantie, on me dit qu'on va l'amener à l'usine et puis on m'en offre un nouveau, mais on ne le répare pas. Ou bien des fois, c'est vraiment des problèmes de pièces détachées. Donc là, on lance un cycle de conférences en Suisse romande en collaboration avec la Revue Durable et puis l'Office fédéral de la communication pour voir comment est-ce qu'on peut rendre ces TIC, donc technologie de l'information et de la communication, plus éthiques et puis quelles sont les réponses qui peuvent exister. Donc là, la prochaine, c'est le 9 avril à Lausanne. Donc, c'est la conférence inaugurale pour poser les enjeux et puis montrer aussi des exemples d'entreprises qui ont essayé soit d'avoir une politique d'achat plus durable, soit de diminuer la consommation d'énergie qui est liée à ces technologies-là. Et ensuite, il y a une série de 6 ou 7 conférences dans toute la Suisse romande jusqu'à la fin de l'année. Donc là, c'est ticdurable.ch, le site internet où il y a tous les renseignements sur ces conférences. On essaye aussi de monter à la FRC ce qu'on appelle des cafés réparation. Donc, c'est des événements où les consommateurs peuvent venir avec l'appareil qu'ils souhaitent réparer. Ça se passe dans l'atelier d'un réparateur qui est là aussi pour aider à voir si c'est encore réparable et puis comment le réparer. Donc, là, il y en aura un à Genève le 8 avril pour essayer de faire prendre conscience aux gens de, voilà, est-ce que leur appareil est réparable? Alors, on en a fait un à Lausanne, Stoughton. Ce qu'on s'est rendu compte, c'est que ça ne va pas apprendre aux gens à réparer tous leurs appareils électriques, électroniques, mais ça les rend très attentifs au fait, lors du prochain achat, ben, qu'est-ce que je dois regarder sur un appareil pour qu'il soit réparable? Est-ce que je vais m'informer, regarder comment sont les vis, regarder si c'est soudé ou pas? Est-ce que je peux remplacer, par exemple, facilement la batterie d'un appareil? Ce qui est souvent le critère pour faire durer ces appareils, parce que les batteries, c'est en général la pièce qui est le plus rapidement hors d'usage. Et puis, quand on est dans un appareil où la batterie ne peut pas être changée, ben voilà, la batterie tombe en panne. Et puis, ben, au revoir, vous devez tout rechanger. Voilà. Donc, là, en guise de conclusion, un peu mes réflexions sur la consommation responsable, parce qu'à mon avis, c'est ça, un peu une autre consommation ou consommer autrement, c'est consommer de manière plus responsable ou bien essayer de consommer d'une manière plus responsable, mais c'est que ça recouvre vraiment beaucoup de champs, c'est les aspects environnementaux, les aspects sociaux, les notions de respect des animaux quand on mange de la viande ou des produits animaux, mais aussi tous les aspects des relations économiques entre producteurs, consommateurs et distributeurs. Ce qu'on voit, c'est que dans nos activités, par exemple, de test, on peut décortiquer les produits. Et puis, par exemple, les distributeurs, ils sont
ils acceptent de nous parler de tout, sauf en général d'une chose, c'est les marges. Comment sont réparties les marges? Quand j'achète un produit, quelle marge se prend le distributeur et combien il donne aux différents échelons de production? Ça, c'est vraiment ce qu'ils considèrent comme un secret d'affaires qui est très, très difficile à décrypter. Et cette opacité des marges fait que, comment dire, une des choses qu'on pourrait dire, c'est que certains disent, bah, plus le produit est cher, si un produit il est cher, ça veut dire qu'il est produit dans des bonnes conditions, que les gens ont été bien payés, et puis tout ça. Puis malheureusement, ce n'est pas le cas. Parce que si c'est vrai que les coûts de production à la sortie d'une usine ou d'un atelier de fabrication sont en relation avec la qualité du produit au sens large, une fois que ça part dans le circuit de distribution, ce n'est plus du tout vrai. Parce que le prix va être fixé dans un magasin, pas forcément en fonction des coûts de production, mais en fonction de ce que le magasin pense que les consommateurs sont prêts à mettre pour le produit. Alors par exemple, pour les produits bio, quand on paye plus cher les produits bio, oui, on va payer plus cher pour que le producteur bio il touche plus d'argent pour son travail supplémentaire, c'est normal. Mais on va aussi payer plus cher le magasin. Parce que sur un produit entre guillemets, qui est cher à la base, le magasin se prend une plus grande marge que sur un produit qui n'est pas cher. Et donc, quand on paye notre litre de lait bio 20 centimes plus cher que le litre de lait normal, sur ces 20 centimes qu'on paye en plus, il y a peut-être 10 centimes qui va au producteur de lait bio. Et puis les autres 10 centimes, ils vont dans toute la chaîne de distribution. Puis ça, c'est parfois un petit peu dommage parce que ça rend ces produits chers sans forcément que ça aille directement au producteur. Voilà. Et puis après, on pense quand même qu'une partie importante des consommateurs, ils aimeraient avoir un comportement plus responsable. Bon, je ne cache pas qu'il y a une partie des consommateurs qui est estimée un peu à 20-25%, qui est vraiment très, très orientée sur le prix, puis pour qui le prix est le critère déterminant. Mais d'après différentes enquêtes, on peut quand même dire entre 50 et 75% des consommateurs, ils sont prêts à payer un peu plus cher pour avoir un comportement responsable. Reste après à savoir, c'est pas toujours facile de savoir ce qui est responsable. Par exemple, si on a soif, ce qui est un besoin qu'on ne va pas qualifier d'exagéré. Qu'est-ce qu'on boit? De l'eau du robinet? Du jus d'orange issu du commerce équitable ou bien du jus de pomme local? Je pense que les trois réponses, elles peuvent être tout à fait valables de ce point de vue-là. L'important, à mon avis, c'est de se poser la question et puis d'y réfléchir, de réfléchir avant de choisir. Je pense que c'est ça qui fait qu'une consommation, elle est responsable. Voilà, alors là, je finis la présentation. Juste en vous rappelant que pour fêter notre succès dans les négociations avec les opérateurs de téléphonie mobile, on a une offre spéciale d'adhésion jusqu'au 1er avril sur le site internet à 45 francs au lieu de 60 francs. Parce que voilà, pour survivre, la FRC fait aussi un peu de marketing et d'offres promotionnelles, mais voilà, c'est pour permettre à la FRC de continuer son action, de continuer à avoir un journal sans publicité qui paraît. Et puis c'est vrai que pour la presse, c'est pas toujours facile, c'est temps. Voilà, je vous remercie de votre écoute. Comme Aline s'en va, après on a toujours un temps pour les questions. Peut-être si vous avez des questions à lui poser maintenant, c'est possible. Non ? Oui ? Je vais passer le micro pour les questions parce qu'on enregistre la conférence qui est diffusée en direct, j'ai oublié de le dire au début. Donc toutes les conférences, si jamais vous ne pouvez pas assister, vous pouvez les regarder en direct sur YouTube. Il y a le lien dans l'invitation que vous recevez. Et puis ensuite, elles sont diffusées, elles sont montées et puis mises sur YouTube aussi de manière permanente pour les regarder a posteriori. Alors, je passe le micro. Moi, je voulais demander, qu'est-ce qui vous est dire que consommer local, c'était consommer moins industriel? Puis vous aviez un deuxième adjectif, peut-être même plus sain, ou enfin, qui suggérait qu'il y avait peut-être moins de pesticides. Est-ce qu'il y a des nombres? Alors, c'est pas fort. Disons, consommer local, c'est clair que les gens s'imaginent que c'est
plus sain, parfois plus sain, parfois plus authentique. Alors, consommer local, je pense que là, à mon avis, là, le principal argument de consommer local, c'est pas forcément l'aspect de la santé ou des pesticides. Si on consomme local de saison, effectivement, on va avoir des produits qui sont plus frais, mais au niveau de l'environnement, la consommation de certains produits en mode local n'est pas forcément plus avantageuse. Par exemple, à Genève, ils ont montré que les tomates, elles sont, comment dire, du point de vue écologique, meilleures localement pendant la période de production entre juin, juillet puis octobre. Puis avant et après, mieux valait manger des tomates du Maroc parce qu'elles font, entre guillemets, que 2 jours de camion pour venir, alors que les tomates locales, elles ont été produites avec des serres chauffées. Après, les motivations pour consommer local, c'est clair que si on consomme du chocolat caillé local, c'est quand même assez industriel. Mais je pense dans les consommateurs qui aimeraient avoir consommé local, dans leur esprit, c'est aller consommer vers des plus petits producteurs. C'est pas forcément immédiatement toujours plus écologique, mais c'est la recherche d'un lien qui s'est vraiment distendu avec les producteurs. C'est ça. Alors, consommer ultra local. Oui. Alors, ça dépend qu'est-ce qu'on va consommer local, ça ne veut pas forcément. Je pense qu'on peut consommer local dans plusieurs lieux de consommation, mais à condition d'être attentif. Et puis, le fait, alors c'est clair qu'après, ça dépend si on parle des produits bruts ou des produits transformés. Mais le fait, par exemple, si on va dans une grande surface, la Coop et la Migros, et qu'on demande à avoir des fruits et légumes de saison, c'est aussi montrer à ces acteurs-là qui sont quand même ils sont présents là pour les maraîchers. S'ils n'ont pas le canal de distribution de la Coop et de la Migros, il y a une partie importante qui peut fermer et mettre la clé sous la porte. Donc, je pense que c'est aussi important en tant que consommateur d'aller dans ces lieux-là et de dire « je veux des choses de saison ». Et insister et puis choisir, là, montrer, parce que ces grands distributeurs, ils scrutent tout ce qu'on achète. Et puis montrer que le local, c'est aussi important. Après, pour les produits industrialisés, c'est aussi notre devoir de regarder ce qu'il y a dedans et de ne pas choisir les produits dans lesquels il y a des substances qui ne devraient pas y être ou bien qui sont trop industrialisées. Idéalement, il faudrait acheter que des produits bruts et puis tout faire soi-même. Mais je pense que d'aller dans le rayon des fruits et légumes et de dire « je n'achète pas de fraises jusqu'à ce que ça soit des fraises locales qui arrivent et quand elles sont locales, je les achète », ça donne un signal aussi à la grande distribution. Mais après, c'est aussi chacun est libre de choisir ses lieux de consommation et puis ses méthodes de consommation. Mais je pense que, par exemple, quand vous êtes abonné à un panier de fruits et légumes, après, vous allez acheter différemment dans la grande distribution. Et puis, je pense que c'est. On peut dire qu'idéalement, on aimerait qu'ils n'existent pas. Mais ils existent. Voilà. Voilà. Ouais. Voilà. Ouais. Ouais. Non, mais c'est clair. C'est. Pour que ça change. Après, la chose, après, ça dépend de tout ce qu'on entend par artisanal ou industriel. C'est pas non plus des définitions qui sont complètement affirmées, quoi. Ouais. Oui, moi j'avais également une question. Vous avez beaucoup parlé du consommateur, du rôle du consommateur, mais j'aurais voulu savoir aussi, la FRC observe de près, j'imagine aussi, les autorités, notamment les autorités au niveau national. Et moi, je me posais deux questions, en fait, sur j'ai deux réflexions. Récemment, la Suisse a signé un accord d'échange prioritaire avec la Chine. Ça veut dire qu'on va importer des produits de Chine dont on ne sait pas, on ne va pas pouvoir garantir véritablement la qualité. Comment est-ce que vous voyez l'évolution de la position des autorités qui ont aussi le rôle de protéger la population suisse? Et j'ajoute peut-être un deuxième exemple. Dans certains magasins, notamment de vêtements, on n'a plus l'indication du lieu de production.
Et j'imagine que c'est une manière de se protéger, puisque de plus en plus de monde s'inquiète un peu de ce qui se passe, notamment au Bangladesh, mais aussi dans d'autres pays. Et donc, le fait de retirer l'indication du lieu de production permet peut-être d'éviter des questions dérangeantes pour ceux qui ne souhaiteraient pas aller beaucoup plus loin. Donc là encore, quel est le rôle des autorités nationales par rapport à l'étiquetage qui doit quand même être défini, je pense, assez précisément dans une loi, etc. Alors, concernant l'accord de libre-échange avec la Chine, c'est vrai que c'est un accord on se fait du souci pour l'application. Parce que, en théorie, sur le papier, les produits qui seront exportés devront respecter les normes. Mais après, c'est comment ça va être contrôlé, qui va le contrôler, est-ce qu'on devra se fier à des certificats de contrôle chinois. C'est quelque chose qui fait, ça nous fait souci, cet aspect-là, justement, de est-ce qu'on ne va pas avoir arrivé encore plus des produits dont les conditions de sécurité sont pas très bonnes. Après, moi, ce que j'ai compris en écoutant les débats sur cet accord de libre-échange, c'est que la Suisse se dépêchait de faire un accord de libre-échange avec la Chine pour être la première nation industrialisée à signer cet accord-là avec la Chine pour s'ouvrir des marchés pour ses entreprises. Donc, c'était là qu'il y avait la concurrence. C'était on veut être les premiers en Chine pour que nos entreprises aient un avantage concurrentiel sur le marché chinois par rapport à leurs concurrentes européennes ou américaines qui arriveront plus tard sur le marché. Et je pense que mis dans la balance, les intérêts des consommateurs suisses n'ont pas été, ont pesé beaucoup moins lourd que les intérêts potentiels des entreprises suisses. Voilà. Voilà. Oui, mais juste peut-être sur la deuxième question sur les textiles, il n'y a rien qui impose de mettre le pays de production d'un textile. C'est très codifié pour les denrées alimentaires, mais pour les textiles, il n'y a pas d'obligation d'indiquer d'où ça a été produit. Ouais, là, il y a un article sur justement les textiles, les labels du textile dans ce numéro-là. Donc, il y a tous des exemplaires à la sortie. Maintenant, on a vu apparaître des trucs créés ou designed in Germany. Voilà, ça veut dire que ça a été conçu, conception allemande, mais la production, on ne sait pas où ça a lieu. Voilà. Donc, c'est vrai que pour le textile, c'est très difficile parce que quand c'est du coton, il y a le coton qui a été cultivé quelque part, et puis après il est filé, préparé autre part, et il peut encore être après les fibres de coton transformées en vêtements ailleurs. Voilà. Donc il manque beaucoup d'informations aux consommateurs pour pouvoir tout appréhender. Ouais. Ouais, concernant toujours la Chine, je trouve assez fou parce qu'il y a quelques années, on a créé beaucoup de problèmes à des petits producteurs locaux, notamment au niveau du vacherin, parce qu'il n'était pas pasteurisé, etc. Et j'ai l'impression qu'actuellement, par rapport à la Chine, on est dans une réflexion totalement différente. En fait, que tout cet hygiénisme en fait, qu'on cherchait à apporter il y a quelques années, la question ne se pose pratiquement plus, en fait. Comment dire, quand on fait ce genre d'accord-là, on est obligé de. On fait, disons, quand un pays signe ce type d'accord avec un autre pays, il est plus ou moins obligé d'accepter que le pays avec lequel il signe l'accord a des systèmes de contrôle au moins aussi bons que chez lui. Voilà. Alors après, on l'accepte plus ou moins bien. Par exemple, il y a eu une délégation de vétérinaires chinois qui sont venus inspecter les abattoirs en Suisse. Et qui ont dit « Ah non, les abattoirs en Suisse, ils ne sont pas aux normes pour pouvoir exporter en Chine. » Parce qu'il faut savoir que par là, il y avait, les producteurs de viande en Suisse voient toujours un potentiel dans le marché chinois parce qu'ici, on consomme de moins en moins les parties moins nobles des animaux, les jarrets, les queues, les choses comme ça. Et les Chinois en sont encore friands. Donc, ils disaient « Nous, c'est une potentialité d'exporter ce type de produit-là. » Mais pour ça, il faut que les Chinois estiment que nos abattoirs satisfont à leurs normes. Je ne sais pas si la Suisse aura le courage d'envoyer des inspecteurs en Chine dire que certaines installations ne sont pas aux normes. Quoi. Voilà. Ce serait logique, voilà. Ce serait logique. Après, je ne sais pas, c'est quelque chose à faire. Mais c'est clair que les contrôles de ces produits-là, nous, ce qu'on a demandé, ce qu'on demande dans le cadre de cet accord-là, c'est que les moyens soient renforcés pour contrôler ces importations-là. Parce que c'est d'après les chimistes cantonaux,
de leur campagne de, comment dire, d'analyse, ils disent il n'y a pas de problème avec les, généralement, il n'y a pas de problème avec les produits suisses, il n'y a pas de problème avec les produits européens, mais c'est vraiment les produits importés d'Asie, il n'y a pas seulement de Chine, qui, où là, on a le plus souvent des soucis. Moi, j'avais une question par rapport à l'opacité des marges dont vous parliez tout à l'heure. Si c'est opaque pour la fédération, je ne vous dis pas comment ça l'est pour le consommateur. Est-ce que là, vous avez des chiffres à articuler ou des endroits où on pourrait se renseigner, notamment pour les fruits et les légumes, au sujet de ces fameuses marges? Il faut se renseigner auprès des producteurs s'ils acceptent de les dire, mais ils vous les disent volontiers si. Alors, ce n'est pas les marges chez le producteur, c'est plutôt après chez les distributeurs. Oui, mais les producteurs, en général, ils savent très bien combien ils vendent et puis combien le distributeur y vend. Voilà. C'est très difficile, ils n'acceptent pas qu'on publie ces marges pour éviter les représailles. J'ai des cas de oui, mais c'est facilement 50% pour certains fruits et légumes, oui. Mais ça dépend des saisons de l'année, et comme ça, c'est difficile de c'est pas forcément les fruits et légumes, c'est pas toujours les mêmes marges, quoi. Il faut vous, alors vous pouvez essayer à l'Union maraîchère suisse, mais je sais pas s'ils vous renseignent en tant que particulière, ouais. J'ai plus les chiffres par cœur en tête, voilà. Moi, je les demande. Là, ça fait longtemps que je ne les ai plus redemandés. Je peux retrouver des chiffres de certains cas, ouais. Voilà. Christian. Voilà. Sur la question des textiles, Philippe Balsiger qui interviendra après, Christiane. Aussi. Oui, au revoir. Oui, alors, merci beaucoup. Alors, est-ce qu'on va y arriver du coup? Ça va, c'est lisible comme ça, si on l'affiche comme ça. Alors, bonsoir à toutes et à tous. Je suis très heureuse d'être là avec vous ce soir, à la veille du printemps. Et puis, de parler avec vous de cette question, consommer autrement. Alors, moi, je vais l'aborder plutôt sous l'angle du commerce équitable, pour voir en fait quelle est la problématique par rapport... comment on peut, en tant que consommateur, s'assurer qu'on consomme équitable, quelles sont les options, quels sont les défis. Quelle est l'histoire aussi du commerce équitable dans la consommation. Alors, effectivement, une question aussi qui vaut la peine d'être posée, en fait, pourquoi est-ce qu'il faut consommer autrement? Quelle est la problématique? Et puis, donc pourquoi en fait le commerce équitable, le mouvement du commerce équitable a démarré il y a bientôt 50 ans? Quels sont les défis actuels aussi liés aux différentes filières du commerce équitable? Et puis finalement, pour le consommateur, quels sont les différents leviers d'action pour vraiment... Aline disait, il faut se poser des questions, c'est déjà bien. Puis après, quelles sont les réponses qu'on peut trouver? Alors, on peut prendre comme point de départ une revendication des producteurs du Sud qui a été faite dans les années 60, en 1964, au cours d'une conférence des Nations Unies sur le développement, sur la coopération et le développement. Donc, en fait, c'est une revendication qui revendique, on veut du commerce et pas de l'aide. Trade, not aid. Qu'est-ce qu'il y a derrière? C'est que, vraiment, c'est seulement en ayant des relations
commercial équitable qu'on pourra lutter contre la pauvreté. Parce qu'en fait, le commerce actuel mondial est générateur d'inégalités, de pauvreté et est basé sur l'exploitation. Donc en fait, ce n'est pas en développant de l'aide au développement qu'on va forcément résoudre les choses, c'est vraiment en attaquant le problème à la base et puis en instaurant des relations équitables, si possible, d'un bout à l'autre de la chaîne de production et de commercialisation. Donc en fait, c'est vraiment une dénonciation forte des conditions d'exploitation. C'était dans les années 60. Aujourd'hui, ben, on voit que la situation a malheureusement peu changé. On a parlé des textiles, on parle... finalement, tous les objets de notre consommation sont problématiques et ont des impacts sociaux et environnementaux négatifs, quelque part, sur la planète. Donc ce mouvement cherche à mettre en place concrètement des alternatives commerciales pour garantir justement cette équité et puis un prix juste aux producteurs. Le mouvement lutte aussi contre les rapports de force. Comme Aline l'a dit aussi, il y a cette opacité sur les marges. En fait, sur les filières commerciales, il y a toujours des acteurs dominants qui finalement profitent et retirent des bénéfices qui ne sont pas forcément redistribués de manière équitable sur tout le reste de la filière. Et puis c'est souvent en fait les premiers maillons des chaînes qui sont mis sous pression et qui récoltent finalement le moins du prix final. Donc c'est vraiment essayer de rééquilibrer les filières pour que tout le monde en fait se partage le bénéfice à manière égale. Et puis ce qui est important aussi, c'est de regagner le contrôle sur les filières. Aline l'a aussi dit, c'est vraiment l'idée de recréer les liens entre producteurs et consommateurs qu'on a totalement perdus, que ce soit pour les produits locaux ou pour les produits qui viennent de loin. On l'a vu aussi l'année passée avec le scandale sur les lasagnes, avec la viande de cheval. On s'est rendu compte, on ne sait pas du tout comment sont produits nos biens de consommation, par qui, dans quelles conditions. Et puis, c'est vraiment important de regagner le contrôle et de se réapproprier ces filières. Alors, le commerce équitable, c'est important aussi de bien le définir parce qu'on en parle beaucoup, mais finalement, qu'est-ce que c'est ? Alors, le commerce équitable est un partenariat commercial qui est fondé sur le dialogue, la transparence et le respect. C'est vraiment important d'insister sur ce fait, sur ce partenariat qui s'inscrit aussi sur la longue durée. Donc, c'est vraiment des acteurs qui s'engagent ensemble sur le long terme pour instaurer des relations les plus équitables possibles. L'objectif, c'est de parvenir à une plus grande équité dans le commerce mondial. Donc, pour parvenir à cette équité, donc il y a d'une part un soutien actif aux producteurs qui est important. Il y a d'autre part tout le volet de sensibilisation des consommateurs, de l'opinion publique. Et finalement, plaider ou faire des campagnes pour changer les règles et les pratiques du commerce international conventionnel. Donc, les magasins du monde s'insèrent vraiment dans cette démarche-là. Les magasins du monde sont les pionniers du commerce équitable en Suisse et puis s'insèrent en fait dans un mouvement européen et mondial qui a démarré dans les années 70, qui cherche justement à mettre en place ces alternatives commerciales. Donc les premiers magasins du monde sont à Paris en 1974, et le magasin de Lausanne d'ailleurs a ouvert ses portes en 1974, donc on fête cette année nos 40 ans. Et puis, on a cette triple mission qui est d'une part de commercialiser des produits équitables qui viennent de ces filières équitables. On a une mission éducative, donc c'est vraiment de sensibiliser et d'informer les consommateurs. Et aussi une mission politique, donc c'est vraiment les magasins du monde sont des lieux d'engagement citoyen. Il y a un mouvement de plus de 800 bénévoles en Suisse romande qui s'engagent pour ces relations équitables. Donc, c'est la mise en pratique d'une alternative concrète et le plus cohérente possible, donc tant au niveau social qu'environnemental. Et puis, donc, les magasins du monde font régulièrement des campagnes de sensibilisation. Actuellement, on a une campagne qui s'appelle « Un repas au coin du monde ». Donc, c'est pour sensibiliser en fait, sur nos actes d'achat qu'on fait en, fait, en vue d'un repas, en fait, pour montrer que tous nos actes d'achat ont un impact, que ce soit quand on va faire nos courses pour acheter les ingrédients d'un repas, mais aussi toute notre vaisselle qu'on utilise pour manger, enfin tous nos objets du quotidien ont une histoire et puis voir finalement quelle est cette histoire et comment on peut rendre les impacts positifs de ces produits. On a aussi un journal qui paraît 4 fois par année et qui chaque fois est consacré à une thématique du commerce équitable, une actualité.
Le dernier numéro traite de la banane. Donc, montre aussi finalement l'histoire de la banane équitable. Là aussi, on a une histoire de 40 ans. Il y a eu tout un, je fais une petite parenthèse, il y a eu tout un mouvement de femmes qui se sont engagées en Suisse alémanique, les Bananenfrauen, les femmes bananes, qui vraiment dans les années 70 se sont rendues compte, ben, à la Migros, on trouve des bananes moins chères que les pommes produites localement. Pourquoi ? Et puis, combien reçoivent finalement les producteurs de bananes pour leurs produits ? Et puis, elles ont lancé toute une campagne de sensibilisation et elles ont essayé justement de monter des filières. Et ça a été un peu le début aussi de ces alternatives commerciales mises en place par les magasins du monde et par d'autres acteurs en Suisse. Vous trouverez les différents numéros à la sortie. Alors, en Suisse romande, on a 39 magasins du monde, donc on est vraiment répartis sur le territoire romand. Et puis, les magasins du monde, finalement, sont un lien ou un relais entre les producteurs et les consommateurs. C'est aussi, finalement, des petits commerces. Chaque magasin du monde est une association, donc il y a toute cette vie associative et cette vie locale qui est importante. Et puis, chaque magasin du monde rayonne dans son environnement et puis essaye de lutter pour des conditions plus équitables, tant au niveau global, mais aussi au niveau local. Il y a des magasins du monde qui combinent aussi des produits locaux dans leur assortiment. Alors maintenant, je vais vous parler des filières du commerce équitable. En fait, on distingue deux filières. Il y a une filière intégrée qui, en fait, prend ses racines dans ce mouvement que je vous ai présenté dès les années 60 et en fait elle se préoccupe de l'ensemble de la filière. Donc elle vise à ce que chaque acteur d'une chaîne de production et de commercialisation soit un acteur du commerce équitable et cherche aussi en fait à rééquilibrer les acteurs socio-économiques tant au nord qu'au sud. Donc vraiment d'avoir des relations équitables et puis une transparence dans les filières. Alors, la filière intégrée, enfin, le commerce équitable, un des premiers produits équitables commercialisés a été le café, mais depuis, y a toute une diversité de produits qui s'est rajoutée à l'assortiment, et puis on trouve des produits alimentaires, d'artisanat, des cosmétiques, des vêtements et des accessoires, qui sont d'ailleurs aussi, en tout cas pour les produits alimentaires, c'est souvent issu d'une agriculture aussi biologique, donc ça combine en fait l'aspect social et environnemental. Pour illustrer mes propos, je vous donne rapidement deux exemples. Donc, il y a une coopérative bolivienne, El Ceibo, qui produit du cacao bio et équitable. Et puis, dans le cadre de partenariats avec des acteurs du commerce équitable, ils ont pu, sur le long terme, construire en fait une filière de transformation sur place. Et puis, actuellement, en fait, ils produisent du chocolat en Bolivie, qu'ils vendent sur le marché national. Et ils font 60% de leur chiffre d'affaires par la vente de ce chocolat. Donc en fait, c'est un peu l'objectif aussi qu'on a avec le commerce équitable, c'est de la création de valeur ajoutée sur place pour en fait augmenter l'autonomie des producteurs qui en fait sont indépendants après des marchés d'exportation de matières premières. Parce qu'on retrouve en fait souvent, on reste dans ces schémas que le Sud, les producteurs du Sud sont des producteurs de matières premières qui après est valorisée et transformée au Nord et puis finalement, tous la valeur ajoutée reste au Nord et pas au Sud. Un autre exemple, c'est GreenNet, c'est une coopérative de producteurs de riz en Thaïlande. Donc là aussi, peu à peu, au travers de partenariats sur le long terme, la coopérative a construit sa propre unité de transformation du riz et aussi une unité d'emballage. Donc en fait, c'est vraiment un produit fini qui est produit par la coopérative et ensuite commercialisé au niveau local et dans les circuits du commerce équitable. Donc c'est vraiment... ces trois aspects qui sont très importants, la création de valeurs sur place et aussi finalement le respect de filières qui restent à échelle humaine et puis qui garantissent une traçabilité. On sait exactement quel est le producteur et puis dans quelles conditions les produits ont été produits. Alors, complément en fait à la filière intégrée, il y a la filière labellisée qui s'est développée après coup, en fait, dès les années 88. Donc, la filière labellisée Fairtrade Max Havelaar, qui en fait est apparue dans le but aussi d'augmenter les volumes, parce que souvent les producteurs travaillant avec la filière intégrée avaient de la peine à écouler tous les volumes de leur production. Donc, c'est pour accroître aussi finalement
l'arrivée de produits du commerce équitable sur le marché. Donc, il y a cette filière labellisée qui s'est développée. Et puis, en fait, c'est des produits et des ingrédients qui font l'objet d'un label. Donc, en fait, une organisation de producteurs est certifiée. Et puis, ensuite, le produit est labellisé et commercialisé dans des circuits qui peuvent être du commerce équitable et qui peuvent être dans les grands distributeurs ou bien d'autres acteurs commerciaux. Donc, le label garantit le paiement d'un prix minimum et d'une prime du commerce équitable. Ça, c'est vraiment un peu le centre de son action. Après, bien sûr, il y a aussi des standards, d'autres standards sociaux et des standards environnementaux. Et puis, il s'agit surtout de produits alimentaires. Il y a aussi, par exemple, des fleurs ou du coton. C'est vrai que, par exemple, pour les produits d'artisanat, c'est difficile de labelliser puisque c'est souvent des produits qui sont faits main. Il n'y a pas de standards. Donc, pour l'instant, si c'est pas un label pour les produits d'artisanat. Alors, je trouvais important de vous parler de l'évolution de cette filière labellisée. Alors, pour en fait, comme elle a démarré dans les années 90, ça a commencé avec le café, après il y a beaucoup plus de produits qui se sont rajoutés. Et puis en fait, de plus en plus de volumes aussi de produits du commerce équitable ont été commercialisés, ce qui est bien. Finalement, le commerce équitable a vraiment pris une importance dans notre vie de tous les jours. Enfin, on voit beaucoup de produits labellisés. Et en fait, ce qui s'est passé en 2011, il y a eu une révision des standards qui a introduit en fait la balance de masse pour 4 types de produits. En fait, cette diapo, ça va être un peu technique, mais je pense que c'est important de comprendre aussi les aspects techniques justement du label. Donc, il y a ce critère de balance de masse qui a été introduit pour 4 types de produits, le thé, le cacao, les jus de fruits, le sucre. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que il y a des tels volumes qui sont commercialisés qu'en fait une coopérative qui est certifiée Fairtrade, qui produit du thé, elle va livrer son produit à une unité de transformation qui en fait mélange les thés de d'autres organisations de producteurs et puis après c'est un produit mélangé qui arrive sur le commerce. Donc en fait on n'a plus, en achetant du thé labellisé, on n'a plus la traçabilité qui va jusqu'à l'organisation de producteurs. C'est un peu le même système avec l'énergie verte, l'électricité. On paye pour une électricité verte, mais ce n'est pas forcément cette électricité qui arrive dans la prise. Si c'est clair, je ne sais pas. Donc, en fait, il y a plus de traçabilité qui est garantie pour ces 4 types de produits. Il y a aussi une révision par rapport aux produits composés. Donc, en fait, avant 2011, les standards pour un produit composé était un minimum de 50% d'ingrédients du commerce équitable dans un produit. Donc, par exemple, pour une plaque de chocolat, il fallait au moins 50% d'ingrédients du commerce équitable. En 2011, ce standard est passé à 20%. En fait, maintenant, il suffit de 20% d'ingrédients du commerce équitable pour pouvoir mettre le label sur le produit. On a par exemple des yogourts qui portent le label. Et puis, si c'est un yogourt au mocha, on aura le café, le sucre qui sont issus du commerce équitable, mais pas le lait. Enfin, le lait n'est pas labellisable, mais c'est vrai que si on connaît la réalité des producteurs de lait suisse, qui, en fait, le prix du lait ne permet pas de couvrir leur coût de production, c'est après, qu'est-ce qu'on appelle équitable dans ce produit? Alors, voilà. En 2014, en fait, récemment, en janvier 2014, il y a eu une deuxième révision, en fait, l'introduction de programmes d'approvisionnement sur le sucre, le cacao et le coton. Donc, vous voyez, c'est un label un peu différent qui est sur fond blanc et qui mentionne, donc, par exemple, programme cacao, si c'est le cacao. Donc là, si vous avez, par exemple, une plaque de chocolat qui porte ce label, ça veut dire que le cacao de cette plaque de chocolat est issu du commerce équitable. Mais alors, les autres ingrédients comme le sucre ou bien la vanille ou bien d'autres ingrédients ne sont pas forcément issus du commerce équitable. En fait, ça change un peu la règle. Si vous avez un produit composé avec ce label-là, ça veut dire que tous les produits qui peuvent être issus du commerce équitable doivent être issus du commerce équitable avec un minimum de 20%. Avec ce label-là, en fait, il n'y a pas cette obligation que tous les produits qui pourraient être du commerce équitable doivent être du commerce équitable dans le produit. des ingrédients.
Alors oui, si c'est par exemple du café, alors ce sera 100% du café équitable, ça c'est clair. Ça. Pas le café, c'est justement juste ces quatre catégories de produits. Le café, si vous achetez un café avec le label Max Havelaar, ce sera 100% café équitable. Non, alors ce cacao est 100% dans les 20%, mais par contre, il n'est pas traçable parce qu'il y a justement cette règle de balance de masse. Voilà. Non, c'est un mélange de cacao avec une partie fair trade. Alors, d'un côté, c'est vraiment un défi de gérer les grands volumes, justement, quand on travaille des grandes surfaces avec des acteurs qui brassent des volumes. C'est clair que pour eux, ils ne vont pas faire une. Ouais, non, techniquement, c'est ça. Ouais. Non. Alors, il y a plusieurs facteurs. Alors, il y a plusieurs facteurs. En fait, disons, l'argument principal, c'est augmenter les volumes. En fait, c'est les producteurs qui demandent à augmenter les volumes de vente. Ça, c'est l'argument avancé pour pouvoir écouler plus de produits du commerce équitable. Après, ce qui se passe, c'est justement le danger qu'on perde, en fait, l'objectif de base du commerce équitable. Ben, d'une part, on perd la traçabilité pour une partie des produits, et d'autre part, le consommateur, est-ce qu'il va comprendre s'il achète un produit labellisé qu'en fait il n'y a que 20% dans ce produit qui sont équitables et puis en plus pas traçables et puis voilà. Et puis est-ce qu'il va faire la différence avec ce label-là qui, bon, il est tout nouveau donc ça va prendre aussi du temps jusqu'à ce que les gens voilà, s'habituent aussi à ce nouveau label. Mais la question de base, c'est aussi finalement s'adapter au marché, s'adapter aux grands acteurs qui en fait veulent peut-être bien faire une petite partie de commerce équitable, mais qui mettent leurs conditions. Et puis ça donne un peu ça. Après, il y a aussi la concurrence avec d'autres labels, comme par exemple UTZ ou bien le label Rainforest Alliance, qui prennent de plus en plus d'ampleur aussi. Vous voyez à la micro, vous avez beaucoup de produits labellisés Oût, le chocolat par exemple. Et puis, c'est des labels moins contraignants. Enfin, ce n'est pas des labels du commerce équitable déjà. Ils ont quelques standards sociaux, environnementaux, mais ils sont moins contraignants pour les grandes surfaces, pour les multinationales. Donc, ils entrent plus volontiers dans ces labels-là. Alors, Max Havelaar, finalement, pour rester, pour garder aussi des parts de marché, une explication aussi, c'est qu'ils baissent les standards pour garder leurs clients, garder un marché de certification. Alors oui, si vous avez un produit avec le label, vous aurez un petit astérisque, quel produit est équitable, etc. Et quel est le pourcentage de produits équitables dans votre produit. Ouais, là c'est tout détaillé. Ouais. Alors c'est vrai que c'est des aspects assez techniques et puis c'est assez récent. Et ce qui se passe, c'est que ben, les acteurs historiques finalement du commerce équitable s'inquiètent un peu de cette évolution. Parce que ça crée finalement un commerce équitable à deux vitesses, puisque les acteurs historiques continuent à travailler avec les standards d'avant, disons, ils ont 50% minimum d'ingrédients du commerce équitable dans leurs produits, pas 20. Ils garantissent la traçabilité pour tous leurs produits, et puis ils suivent vraiment cette règle dans un produit composé, tout ce qui peut être issu du commerce équitable doit être issu du commerce équitable. Donc en fait, on a deux pratiques sous un même mot, commerce équitable. Et puis c'est là aussi le souci que les acteurs du commerce équitable se font, c'est poser une question de crédibilité. Enfin, les consommateurs, comment ils vont prendre les choses, comment ils vont comprendre les choses, est-ce qu'ils risquent pas de dire, ben, le commerce équitable, finalement, c'est plus très sérieux, voilà, on va plus acheter équitable. Donc, je crois que la question primordiale qu'il faut se poser, mais quel est finalement de nouveau l'objectif? Alors, je l'ai dit au début, c'est vraiment aussi changer les rapports de force, regagner le contrôle sur les filières. Et puis, c'est vrai qu'il y a l'objectif, bien sûr, d'augmenter les volumes de vente, mais il n'y a pas que ça. Et puis, c'est aussi une question qu'on peut débattre ensemble, mais je pense qu'il faut aussi voir quelles actions on peut mettre en place pour vraiment garantir un commerce équitable qui soit cohérent. Et authentique, et puis vraiment qu'il y ait un impact de longue durée sur les filières commerciales.
C'est pour ça que, en tout cas, le mouvement des magasins du monde, ses partenaires commerciaux, plaide vraiment pour une alternative commerciale qui assure la dignité, qui assure l'autonomie, qui assure aussi une justice sociale et qui finalement s'intègre aussi dans une économie sociale et solidaire et qui remette les personnes et l'environnement au centre des préoccupations. Parce que ce qui se passe aussi, on est dans un système capitaliste de libre-échange, les grands acteurs cherchent le profit à tout prix. Et puis, c'est pas en vendant un petit pourcentage de leur assortiment de produits du commerce équitable qu'ils vont vraiment changer leur pratique commerciale. Et puis, le mouvement du commerce équitable cherche vraiment à changer ces pratiques-là. Pour changer les règles du commerce équitable dans son ensemble. Alors finalement, pour les consommateurs, quels sont les leviers d'action? Donc, on parlait avant aussi de consommer local. En tout cas, ce n'est pas du tout en contradiction avec la consommation équitable. Au contraire, ça suit la même démarche de recréer les liens entre producteurs et consommateurs, que ce soit au niveau local ou au niveau global. Alors, on ne peut pas produire de café dans le canton de Vaud. Donc, voilà, si on doit l'importer, au moins qu'il soit importé dans des conditions équitables et au travers de filières vraiment qui cherchent une cohérence maximale. Le but aussi, c'est de créer des filières courtes, avec le moins d'intermédiaires possible, et puis aussi de se centrer vraiment sur une agriculture familiale qui reste à échelle humaine, parce que c'est vrai que beaucoup de produits, vous verrez ici dans le dossier banane, finalement, c'est des plantations de bananes, donc c'est pas durable au niveau environnemental, donc il y a après d'autres problèmes qui se posent aussi, donc c'est aussi la recherche de production à échelle humaine qui reste respectueuse de l'environnement et qui garde une certaine mesure durable. Et puis, finalement, aussi un autre levier d'action, c'est vraiment aussi essayer de mettre en place des règles contraignantes au niveau international. Il y a là, par exemple, la campagne Droits sans frontières qui a été lancée il y a 2 ans déjà, qui cherche à mettre en place des bases légales en Suisse pour que les multinationales qui aient leur siège en Suisse soient contraintes à respecter les droits humains tant dans leurs activités en Suisse que dans leurs activités dans les autres pays où ils sont implantés. Donc voilà, il y a beaucoup de leviers, il y a sûrement d'autres leviers d'action, mais ça c'est en tout cas les leviers essentiels pour les magasins du monde. Voilà. Je ne sais pas si on passe aux questions après. Oui. Merci, Christiane. Et puis, je sais que dans cette salle, il y a des puristes qui ne boivent jamais de jus d'orange, qui ne boivent que local. Mais parfois, on a des envies de jus d'orange ou alors on consomme des produits qui viennent de loin. Mais au magasin du monde, ce n'est pas seulement l'alimentaire, il y a aussi l'artisanat. Et c'est vrai que dans tout ce qui est artisanat, il y a très peu de production locale, de vaisselle, de choses comme ça. Et donc, c'est des produits qu'on achète une fois de temps en temps et c'est bien de les acheter équitables. Pareil, hein, je suis désolée. C'est ça. Ça va aller. Ça va aller. Comme ça, en laissant. Oui, on peut. Ça marche pas avec la flèche. Oui, mais alors après, il faut descendre. Comme ça, c'est pas très facile. Ah, comme ça. Ah, si, faire. Ça marche. Ouais. D'accord. Alors. Ok. Bon. Merci beaucoup. Alors, je remercie les organisateurs ou l'organisatrice de m'avoir invité. Moi, je suis là pour vous parler un petit peu de la perspective de la science politique, la sociologie, de dire qu'est-ce qu'on entend par consommer autrement, comment on l'a étudié, qu'est-ce que nous montrent les recherches là-dessus. Voilà. Donc, probablement consommer autrement, c'est pas consommer comme dans ce cas de cette image que j'ai mis là, mais c'est justement quelque chose d'un peu différent. Donc, il y a beaucoup de termes différents, je crois, qui désignent quelque chose qui est finalement plus ou moins pareil. Donc, on a parlé beaucoup de consommation engagée, consommer autrement, les consommateurs, la consommation politique aussi. Et tous ces termes, je crois, ils ont peut-être depuis une dizaines, quinzaines d'années, on en parle beaucoup. Donc, on dit il y a de plus en plus, c'est quelque chose qui se développe, il y a de plus en plus de consommateurs qui veulent être des consommateurs.
Et donc, qu'est-ce qu'on entend par là exactement? Donc, l'idée, c'est qu'on tient compte de la politique derrière les produits. Donc, qu'est-ce qui se passe derrière les produits? Quel est le processus de production, etc. Donc, ça, vous le savez tous. Donc, l'idée, c'est, là, c'est une manière assez englobante de voir la chose. Donc, c'est acheter en prenant en considération les enjeux sociaux, environnementaux, éthiques, politiques, etc. Donc, ça englobe à la fois le local, le bio, le commerce équitable, donc tout ce qui va au-delà de la qualité et du prix, mais qui concerne les processus de production. Et généralement, on peut dire qu'il y a deux différentes manières de le faire. Soit c'est le boycott, qui est donc le fait de ne pas acheter un produit parce qu'on n'est pas d'accord avec tel ou tel aspect de sa production ou avec la marque, etc. Et le buycott, donc, qui est l'inverse du boycott, donc buy, donc on achète un produit justement pour des raisons éthique, environnementale, politique, etc. Scientifiquement, c'est étudié par, évidemment, par le marketing, hein, parce que c'est devenu un marché. Donc, il y a les gens du marketing qui essaient de voir qui sont ces gens qui consomment éthique, mais aussi par la sociologie de la consommation et la science politique. Notamment en science politique, donc on a commencé à s'intéresser à cette nouvelle manière de participer en politique par la consommation, donc ce qu'on a appelé le consumérisme politique. Donc aujourd'hui dans la présentation, je voulais parler donc d'abord un petit peu de manière générale de qu'est-ce que c'est la consommation engagée et quelles sont les différentes sources de cette consommation. Et puis, on m'avait aussi demandé de vous dire quelques mots sur le domaine du textile en particulier, puisque j'ai travaillé un peu là-dessus. Donc là, je vais prendre un petit peu cet exemple du textile pour l'aborder aussi un peu. Et ensuite, je vais revenir un peu dans une optique plus générale pour vous parler un petit peu des études qui se sont faites et qui peuvent montrer un peu le profil de ces consommateurs engagés, donc qui ils sont, quelles sont leurs motivations, et puis avec une perspective aussi un peu critique sur quels sont les obstacles et quelles sont peut-être les limites à cette idée de consommer autrement pour changer le monde. Donc je vous ai dit, donc, consommer autrement, donc, à la base, donc, on peut le voir comme une pratique individuelle. Donc c'est les consommateurs, les consommatrices individuelles, ils vont au supermarché, ils portent le politique au supermarché, ils choisissent les produits selon donc, leurs convictions politique. Mais ça, je crois qu'on a très bien vu maintenant aujourd'hui avec les deux interventions avant moi. Il y a tout un travail collectif qui est en fait derrière et qui rend ces pratiques possibles. C'est marqué. Donc on a vu par exemple les magasins du monde, on a vu la Fédération des romans des consommateurs, donc ça c'est des acteurs qui en fait donnent de l'information aux consommateurs individuels, par exemple, donnent de l'information et aussi créent l'offre, comme dans le cas des magasins du monde, qui permettent à nous consommateurs, quand on va acheter, d'avoir un choix. Donc il y a la création de l'offre, il y a les informations, il y a aussi, donc là je vous ai mis un autre exemple donc, du domaine du textile, qui est la Clean Clothes Campaign, qui par exemple fait, ce qu'elle fait beaucoup, c'est une évaluation des différentes marques pour donner une orientation aux différents consommateurs individuels et aussi évidemment pour mettre pression aux différentes marques pour changer leurs pratiques. Donc là, vous ne voyez pas très bien, mais par exemple là, c'est une évaluation que la campagne fait régulièrement pour donner des notes aux différentes marques. Si on regarde donc ce que c'est cette consommation engagée, on voit qu'il y a des sources multiples, je crois, aujourd'hui, qui créent cette offre et qui donnent aux consommateurs la possibilité d'être des consommateurs, de consommer autrement. Donc, la plupart de ces sources, beaucoup de ces labels ou des possibilités qu'on a aujourd'hui, ils prennent leur origine dans les mouvements sociaux, en gros, des années 70. Donc, les magasins du monde, c'est un exemple parfait de ça, mais aussi le bio. Donc, toute cette idée dans ces mouvements sociaux de cette époque de changer les styles de vie pour changer le monde. Donc,
cette idée vient beaucoup de cette époque-là, et puis ça s'est institutionnalisé et ça a mené à la création de différents labels, de différentes filières, comme le commerce équitable, comme le bio, etc. Mais ce n'est pas pour dire que ça n'a pas existé avant, donc il y a aussi des précurseurs qui vont beaucoup plus loin, donc par exemple le mouvement coopératif qui existe déjà au 19e siècle. Et puis il faut aussi dire que ça s'inscrit aussi dans toute une histoire de la mobilisation des consommateurs, donc les associations traditionnelles de défense des consommateurs comme la Fédération des consommateurs se sont aussi saisies de ces aspects-là. Donc, ils n'étaient pas là au départ, forcément, mais ils se sont saisis de ça après et ils en ont fait aussi un enjeu important. Mais à côté de cette origine, plutôt dans les mouvements associatifs, etc., il y a aussi, je crois, d'autres sources qui sont importantes d'avoir en tête. Et une source, je crois, importante, c'est les politiques publiques qui nous incitent à consommer durable, par exemple, et qui utilise ça, cette incitation, comme un instrument de régulation, de politique. Un exemple qu'on connaît bien à Lausanne, c'est les taxes poubelles, par exemple. Donc les taxes poubelles, c'est une taxe qui finalement a pour but que les gens ils adaptent leur consommation, donc qu'est-ce qu'on achète, et pour limiter les déchets, pour avoir un impact environnemental plus réduit. Ou le recyclage, etc. Donc, il y a beaucoup de politiques publiques qui utilisent le levier du consommateur. Et puis, il y a aussi donc, un marché éthique qui s'est créé. Donc là, on n'est plus tellement dans les mouvements associatifs, ni dans le politique, mais on est plutôt dans des entreprises, peut-être sociales, mais peut-être aussi simplement des entreprises qui ont découvert ça aussi comme un marché, parce qu'il y a des gens qui s'intéressent et qui veulent acheter éthique. Donc, on va chez Starbucks, on peut acheter du café équitable, on va à McDonald's, ils nous disent, oui, l'élevage des vaches respecte certains critères, etc. Le Natura, enfin, il y a beaucoup, beaucoup d'exemples, évidemment, de ça, où on le trouve donc sur le marché tout à fait commercial, normal, mainstream. Et donc, tout ça ensemble fait qu'aujourd'hui, en tout cas, il y a beaucoup de manières différentes d'être, de consommer autrement, hein, et d'être un consommateur engagé. Donc cet univers est peuplé d'acteurs très différents finalement. Et même au sein donc, de ce qu'on a vu avec le commerce équitable, par exemple, au sein de l'univers plutôt associatif, il y a différentes approches et ils ne sont pas toujours forcément d'accord entre eux, etc. Et ça crée donc aussi donc ça fait à la fois un univers divers et ça crée aussi, je crois, parfois un peu de... C'est difficile parfois de se retrouver dans cet univers. Maintenant, je voulais vous parler, donc là, pour donner un exemple, donc cet univers différencié, donc les vêtements éthiques, je crois que c'est pas éthique, c'est un exemple très parlant par rapport à ça. Donc dans le domaine donc du textile, il n'y a pas vraiment un standard accepté par toutes, à la fois les acteurs associatifs et l'industrie pour dire quand est-ce qu'un produit textile répond à tous les critères sociaux et environnementaux. Donc, il y a quelques initiatives qui sont assez globaux, qui essayent de contrôler les conditions de production sur les filières. Donc, par exemple, le Fair Wear Foundation, c'est quelque chose qui s'est créé à partir de ces campagnes Clean Clothes qui ont fait. Donc, qui ont pour but donc d'améliorer les conditions de production dans l'industrie du textile, mais généralement ils sont pas très connus par le grand public. Donc après ce qu'on a, c'est, je sais pas très bien ce qui s'est passé là avec ces caractères. Donc ce qu'on a, c'est qu'on a beaucoup de labels de produits qu'on trouve à la fois chez les grandes marques, hein, des labels bio par exemple, et de commerce équitable, et toute une série d'autres labels donc qui concernent certains produits, un tel t-shirt, tel
vêtements. Et puis, donc, ça, c'est au niveau des grandes marques. Hein. Donc, on trouve ça à la fois à la Migros, à la Coop, chez H&M. Donc, ce n'est pas du tout limité à des producteurs auxquels on pense quand on pense à un producteur éthique. Mais après, on a aussi un marché de niche qui s'est créé pour la mode éthique autour de petits producteurs qui se sont dit, tiens, moi, si je veux faire des vêtements, je veux le faire de manière éthique. Donc, je le fais avec du coton bio, je le fais équitable, etc. Donc, ça, on le trouve aussi. Et là, c'est plutôt des petits producteurs. Et là, ça englobe aussi différents aspects. Hein. Et donc, ce qui est important, là encore, ça, c'est un peu, je crois que c'est un problème avec le PowerPoint. Mais ce que je voulais juste dire, c'est qu'il y a différentes approches. Hein. Une approche, c'est de dire toute une marque ou tout un magasin, donc un magasin X, la Migros par exemple, toute la gamme des produits, tous les textiles qu'ils vendent respectent certains standards minimaux. Hein. Donc ça, c'est une approche. Et une autre approche, c'est de dire, voilà, il y a certains labels, enfin certains produits dans ce magasin qui respectent des standards plus élevés que d'autres, par exemple, qui sont bio ou qui sont équitables. Mais à côté de ça, vous pouvez aussi acheter quelque chose qui ne respecte pas du tout ces conditions. Donc, par exemple, à la COP, il y a un label qui est très bien, qui est Natura Line, donc qui est bio et qui est équitable. Mais à côté de ça, vous pouvez aussi acheter des chaussettes à bon marché, prix garanti, pour lesquelles vous n'avez aucune indication finalement. Donc, il y a différentes approches là derrière. Voilà, donc ça, je peux. Si vous avez plus de questions sur le domaine du textile, je peux en parler un peu plus, mais pour l'instant, je voulais plutôt prendre le temps pour vous donner une image encore un peu plus globale sur les études sur la consommation engagée, politique. Donc, si on s'intéresse un peu à qui sont ces producteurs et ces consommateurs, tout d'abord, là, c'est pour vous montrer que si on regarde différentes études qui se sont faites depuis les années 70, on voit qu'il y a une croissance. Donc là, vous avez le boycott, qui est la seule chose qui a été demandée de manière régulière dans les études sur le boycott, donc acheter un produit pour des raisons éthiques. On n'a pas vraiment de données de sondage avant les années 2000 parce qu'on ne s'intéressait pas vraiment à ça. Ça n'existait pas vraiment comme concept à cette époque-là ou pas. Pour ceux qui ont fait ce genre d'études, en tout cas pas. Mais pour le boycott, par contre, on avait déjà des données. Donc là, par exemple, on voit que depuis les années 70, ça c'est au niveau, c'est beaucoup de pays mis ensemble, il y a quand même eu une croissance. Donc c'est quelque chose qui semble devenir de plus en plus important. Après, là, je vous ai mis deux. Donc moi, j'avais étudié un peu la Suisse et la France par rapport à ça. Et donc là, on a aussi des données pour d'un sondage de 2002 pour voir comment. Donc là, on a demandé aux gens, est-ce que dans les 12 derniers mois, vous avez boycotté un produit et puis, est-ce que dans les 12 derniers mois, vous avez boycotté, donc acheté pour des raisons éthiques, sociales, environnementales, un produit. Et donc là, vous voyez que donc en blanc, c'est le boycott. En noir, le boycott et puis le gris, c'est donc les deux ensemble. Et on voit qu'il y a, par exemple, là, en Suisse, c'est plus développé qu'en France, et notamment le boycott était beaucoup plus développé, en tout cas à cette époque-là, en 2002. Mais il y a quand même, dans les deux pays, il y a 25-30% des gens qui répondent oui, qui font ça. Voilà. Mais après, par rapport à ces chiffres, on ne sait pas s'ils le font de manière régulière, combien de fois, etc. Donc ça, je vais en parler un petit peu encore. Une autre indication pour dire que c'est peut-être quelque chose qui est qui s'est beaucoup développé, c'est les ventes de Max Havelaar là. Donc là, à nouveau, on voit une grande différence entre la Suisse et la France. Hein. On voit qu'en Suisse, donc là c'est par habitant, volume d'achat, en Suisse c'est beaucoup plus élevé qu'en France. Maintenant, bon, là c'est ça, on voit quand même qu'il y a aussi une tendance et je crois qu'aujourd'hui les différences ne seraient plus tellement élevées. Et puis on voit aussi qu'il y a peut-être, il y a une tendance à la stagnation, donc il y a peut-être un seuil qui est atteint, je crois que ça s'est confirmé depuis, qu'il y a un seuil à un moment donné qui est atteint et puis ça se
enfin, certains produits se développent encore parce qu'ils sont nouveaux, mais pour d'autres, on n'arrive pas tellement à aller au-delà de ce seuil. Alors maintenant, qui sont ceux qui disent acheter donc faire du boycott ou faire du boycott? Donc là, la première chose ne devrait pas vous étonner trop si vous regardez un peu autour de vous. Donc il y a beaucoup plus, enfin il y a plus de femmes qui font ça que d'hommes en général. Et donc ça m'a frappé alors quand j'étais ici parce qu'effectivement on voit que le public ici est aussi très féminin. Donc c'est quelque chose que, enfin toutes les études montrent ça. Bon, c'est pas une différence aussi frappante qu'aujourd'hui dans le public, mais il y a quand même une différence. Donc les femmes le font plus régulièrement. Après aussi, ce que ces études montrent, c'est que les gens donc, qui disent boycotter ou boycotter, en général, sont des gens plutôt, j'ai mis là, politisés, donc des gens qui sont engagés politiquement, qui font partie aussi d'associations, qui votent, qui s'intéressent à la politique, etc. Cette question est importante parce que il y a toujours un peu aussi l'idée ou la critique possible de dire... finalement, ces gens, il y a un peu un décalage après entre les gens qui font la politique et puis les gens qui s'intéressent que à leur vie privée et puis essaient juste de. Mais là, on voit qu'en général, les gens qui s'intéressent à ça, qui font attention dans leur pratique de consommation, sont aussi des gens qui par ailleurs sont engagés politiquement. Après, on voit aussi qu'il y a quand même un clivage un peu plus de classe, je dirais. Donc, il y a les gens qui font ça, en général, ont une formation supérieure plutôt, donc sont avec un capital culturel, éducatif assez élevé, et puis aussi plutôt avec un revenu élevé. Hein. C'est des tendances qu'on voit très bien dans les études de sondage sur les consommateurs qui disent être des consommateurs engagés. Et puis, ce qu'on voit aussi, et là, à nouveau, je ne sais pas ce qui s'est passé, c'est même pas du chinois, je sais pas ce que c'est. Donc là, à droite, à gauche, vous voyez, là à nouveau, c'est un sondage de 2002. Malheureusement, il n'y a pas vraiment de sondage comme ça, comparatif de différents pays, qui est plus récent. Donc c'est vraiment le seul que je peux utiliser là. Mais c'est frappant la différence entre les pays. Donc vous voyez que la Suisse figure parmi les champions de ce type de pratique, hein, de consommer autrement, en général avec des pays scandinaves autour, l'Allemagne, et puis après, des pays latins sont beaucoup plus derrière. Donc, qu'est-ce que j'ai mis là derrière ces flèches? D'une part, je crois, si je me rappelle bien, j'ai mis que... Enfin, ce qui est important là, donc c'est les contextes nationaux. Et puis, ce qu'on voit, c'est d'une part, je crois, ce qui compte, c'est l'offre des produits. Donc, dans ces différents pays, on a une offre éthique qui est très différente. Donc, dans les pays du Sud, enfin, latine, donc l'Europe du Sud, en général, les labels, par exemple, équitables, en tout cas à cette époque, étaient très peu développés. Le mouvement bio aussi, donc le bio n'était pas, on trouve pas tellement dans les grands magasins, par exemple le bio. En Suisse, c'est l'exemple type où déjà en 2002, déjà, le bio on trouvait à la COP partout, donc c'était très accessible. Et donc ça joue certainement un rôle très important. Et l'autre, c'est aussi peut-être une certaine conception de la citoyenneté qui distingue peut-être les pays protestants, nordiques, d'autres pays, de dire que être citoyen, c'est aussi une responsabilité individuelle dans mes actes individuels. Je dois aussi le mettre en œuvre. Peut-être il y a ça aussi. Quelques points en plus sur qui sont elles, donc qui sont ces consommateurs. Donc, ce qu'il faut être conscient, c'est que dans ce type de sondage, on trouve en général un décalage important entre ce que les gens disent et ce qu'ils font effectivement. Donc c'est simple de dire pour un sondeur, oui, effectivement c'est très important pour moi, j'achète éthique, etc. Mais effectivement, quand on va acheter, c'est peut-être pas la même chose. Et les études de marketing, ils sont évidemment très conscients de ce genre de décalage parce que pour eux, c'est
C'est important de savoir vraiment si les gens le font aussi et s'ils ne font pas que le dire. Et les études en marketing sont plutôt sceptiques et disent, oui, c'est un peu un mythe, ce consommateur éthique, est-ce qu'il existe vraiment? Enfin, évidemment, il existe, mais est-ce que c'est vraiment un phénomène aussi grand que les sondages nous laissent croire parfois? Après, une autre question importante, sûrement, c'est est-ce que ce sont des pratiques régulières ou est-ce que ce sont des pratiques plutôt occasionnelles? Et je crois que là, il y a beaucoup de différences. Donc, il y a certains consommateurs qui sont très engagés et pour lesquels, évidemment, c'est toujours... ils font attention systématiquement. Et puis, il y en a certainement d'autres pour lesquels c'est plutôt quelque chose qui se fait de manière occasionnelle, de temps en temps, et qui répondent peut-être aussi à des stimulants. Enfin, si dans les médias, on en parle, s'il y a, par exemple, les effondrements d'usines au Bangladesh il y a un an, à ce moment-là, les gens font plus attention. Mais est-ce que ça, après, ça reste quand on n'en parle plus tellement? Probablement pas. Puis ce qu'on voit aussi, c'est donc l'importance des pairs, donc les gens qui sont plutôt insérés dans des groupes, leurs amis, etc., qui font aussi attention. Donc là, on voit des pratiques plus régulières que ceux qui ne sont pas. Donc si tous vos amis sont végétariens, par exemple, c'est difficile de ne pas être végétarien. Si tous vos amis achètent toujours Equita, c'est difficile de dire oh, moi j'achète chez Denner, etc. Voilà. Donc ça, c'est ces contextes sociaux qui sont importants. Après, si on regarde un petit peu quelles sont les motivations des gens, quand est-ce que les gens achètent équitable, éthique, etc. Il y a une enquête, par exemple, qualitative, ethnographique, où un chercheur a suivi dans un quartier populaire à Londres, a suivi les gens quand ils sont allés faire les courses. Puis il y a aussi un aspect où il traite un peu de ce type de consommation vert, ou socialement responsable. Et ce qu'il montre là, ce que je trouve très intéressant, c'est que souvent les motivations sont assez englobantes. Puis les gens se disent, ils vont au magasin, puis ils se disent, tiens, je veux faire quelque chose de bien aujourd'hui, donc je vais acheter quelque chose d'équitable parce que je sais que c'est important et donc je veux faire quelque chose de bien. Mais se faire quelque chose de bien, moralement bien, ça peut aussi être... je voulais acheter quelque chose pour ma nièce aujourd'hui, donc je lui ai acheté quelque chose. Donc ça peut rentrer dans ce même type de motivation. Donc c'est pas forcément des gens qui sont très forcément politisés, mais qui peuvent se dire tiens, faire quelque chose de bien aujourd'hui pour moi c'est acheter équitable. Demain c'est peut-être acheter quelque chose pour mon fils qui est là qui me dit tiens achète-moi ça. Et puis donc si on est sur ces motivations, je crois que ce qui est aussi important d'être conscient, c'est qu'il y a des motivations effectivement très diversifiées. Et une chose qu'on voit souvent dans ce type de consommation, autrement, c'est que c'est à la fois des motivations pour autrui, donc qui sont peut-être des motivations qu'on trouve plus légitimes, mais c'est aussi pour soi-même. Et les produits qui marchent peut-être le mieux, comme le bio, c'est là où on a beaucoup de gens qui l'achètent aussi parce qu'ils croient que c'est mieux pour eux. Parce qu'on achète bio parce que on croit que c'est plus sain. Donc on l'achète finalement, ça rentre dans cette idée de consommer autrement, mais c'est aussi une motivation très égoïste finalement, parce qu'on veut être, on veut avoir une vie saine. Hein, voilà. Donc, mais la motivation, je crois que on peut pas dire, on peut l'acheter à la fois parce que c'est sain et parce que c'est bon pour l'environnement. Hein, donc ils peuvent être divers, les motivations. Et on peut en avoir plusieurs à la fois. Alors, donc, pour finir, je voulais parler de quelques peut-être points plus critiques et pour aborder un peu les limites de ce type de consommation, consommer autrement. Donc, la première chose, c'est qu'on peut dire qu'il y a peut-être derrière ça l'émergence d'une nouvelle norme de comment il faudrait consommer. Donc, quelle est la bonne manière de consommer? La bonne manière de consommer, c'est consommer autrement, c'est consommer équitable, c'est consommer bio, etc. Et si on met ça en lien avec qui sont les gens qui le font le plus souvent, et on voit qu'il y a quand même surtout des gens avec une formation supérieure, surtout des gens avec plus d'argent que d'autres, c'est aussi peut-être, il faut aussi être un peu prudent et se dire, voilà, pas tout le monde a les moyens de le faire, et peut-être derrière ça, il y a quand même l'imposition d'une norme
de comment il faudrait consommer et puis quelle est la manière légitime de consommer, de se nourrir, qui est imposée par la plutôt par les classes moyennes, les classes plutôt dominantes de la société, hein, au départ. Et ceux qui n'en ont pas les moyens, et ben ils sont pas. Voilà. Comme c'est souvent lié quand même au prix, c'est, je crois, un aspect qui peut être problématique. Donc ça, c'est le premier aspect. Deuxième aspect, c'est quelque chose que j'ai beaucoup vu aussi dans mon travail de terrain, c'est ce danger un petit peu peut-être quand même du repli sur soi-même, donc cette action privée de faire quelque chose par la consommation, qui parfois peut être un peu, peut se jouer un petit peu contre l'action publique. Donc, du moment où il y a un marché de niche, par exemple, qui nous permet de satisfaire nos besoins de manière éthique, hein, par exemple, je peux acheter bio, je peux acheter équitable, etc., ben, il y a un petit peu le danger que cette population-là qui s'intéresse à ça, peut-être se désintéresse après de faire changer ça de manière plus globale. Hein, parce que, voilà, il y a l'offre qui est là. Et qu'est-ce qu'on... voilà. Mais est-ce que le marché de niche est forcément suffisant? Est-ce qu'il ne faudrait pas... C'est pas pour dire que... Ouais, je sais que la plupart des acteurs collectifs par exemple, du commerce équitable ou de cet univers de la consommation engagée, en général, sont très conscients de ça et font toujours à la fois un travail politique et essayent d'élever les standards, par exemple, sociaux et environnementaux partout. Hein, et le développement de ce marché de niche. Hein, donc, ça peut aller de pair, mais il y a quand même cette tension un petit peu entre les deux. Troisièmement, et ça, Aline de la Fédération des consommateurs, vraiment des consommateurs, l'a déjà pas mal abordé, c'est la question de, à la fois, où est-ce qu'on s'arrête, hein? Donc, si on commence à se poser des questions sur ces pratiques de consommation, souvent, on finit par dire, bon, finalement, je devrais peut-être consommer moins, et peut-être c'est encore mieux de ne pas consommer que de consommer équitable, par exemple, consommer bio. Et il y a aussi évidemment beaucoup de contradictions entre différents enjeux, souvent. Hein. Donc, le bio et l'équitable, est-ce que c'est bien d'acheter équitable quand ça vient du miel équitable, par exemple, de l'Amérique centrale, ou est-ce que c'est pas mieux d'acheter un miel? Il y a beaucoup de contradictions potentielles. Qui sont là, dont on est conscient, mais qui sont parfois un peu juxtaposés, et puis on n'arrive pas vraiment à... Enfin, on ne fait pas vraiment le travail, ou c'est difficile de faire ce travail. Ça, on a déjà abordé aussi pas mal, donc, ma collègue. Et dernier point que je voulais aborder, c'est l'absence d'alternatives dans beaucoup de domaines. Donc cette idée que c'est quand même quelque chose que, même si on se sent peut-être autonome comme consommateur, tous ces choix dépendent beaucoup donc, de cette offre, donc du travail d'entrepreneur, à la fois entrepreneur de mouvements sociaux, hein, pas seulement des entrepreneurs dans le sens de marque ou de producteur, mais aussi donc, des campagnes de mouvements sociaux, etc. Donc, il y a beaucoup de domaines où il n'y a pas vraiment d'offres alternatives, toujours. Et il y a aussi peut-être certains aspects qui marchent mieux ou pour lesquels il y a beaucoup plus de choix. Et je crois que c'est notamment le cas en général pour le bio et l'environnement aussi, pour les raisons que c'est peut-être le marché le plus rentable. Hein. Et après, d'autres aspects, les droits des animaux, le social, qui sont généralement moins développés. Et donc, il y a là aussi des inégalités au sein de cet univers de la consommation engagée. Dont il faut tenir compte. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Est-ce que quelqu'un a une question sur aussi bien les magasins du monde, les labels ou la présentation de Philippe? Oui. Bonsoir.
J'avais plusieurs questions, un peu commentaires aussi, bon, par rapport au commerce équitable. En tout cas, c'est vrai que c'était très intéressant d'avoir cette présentation parce qu'on ne connaît pas forcément tous les détails. Et c'est vrai que pour moi, c'était souvent lié à la production au niveau des petits producteurs et pas forcément de toute la filière. Donc, je voulais savoir si, par exemple, les produits qui ont cette filière intégrée, est-ce que c'est signalé en plus? Parce que moi, c'est vrai que je n'ai jamais fait attention à ça sur les produits. Puis, par exemple, c'est quelque chose en plus, je pense, à valoriser sur les produits. En tout cas, en tant que consommatrice régulière, c'est quelque chose qui pourrait aussi me donner envie d'opter pour certains produits du commerce équitable plutôt que d'autres. Et puis, c'est vrai que j'ai aussi regardé, pour moi en tout cas, d'un œil assez sceptique, l'évolution avec Max Havelaar, qui justement s'est approprié et est très présent maintenant dans des supermarchés. Je ne suis pas opposée à ce qu'il y ait des présents dans les supermarchés, mais il est vrai qu'après, on se pose la question aussi, avec des fois des productions qui sont sur le même mode, on va dire, expansif, quoi, qui ne sera plus justement dans ces modes de production à petite taille, à taille humaine. Donc ça, je pense que c'est aussi des fois quelque chose qui est défendu par la personne qui achète. Donc ça, c'est aussi une question. Et puis encore une autre question, c'était l'intérêt pour ces coopératives qui ont développé au niveau national. Parce que moi, de ce que j'avais compris, c'est que les producteurs ne peuvent pas exporter des produits justement qui ont été transformés, qu'il y a des normes, par exemple pour le café, où c'est seulement la matière brute, et ensuite il faut toaster, etc., dans le pays d'importation. Donc, je voulais savoir de quelle manière vous procédez en fait pour développer ces marchés locaux, parce que effectivement, ce serait souvent plus avantageux pour les producteurs qu'il y ait un développement au niveau national. Et ensuite, peut-être le dernier commentaire, c'est que souvent, c'est même pas très avantageux pour les producteurs de produire pour l'exportation, et qu'en fait, ce serait même plus intéressant qu'ils se retournent à l'agriculture vivrière, en fait. Parce que là, du coup, ça devient souvent des ouvriers agricoles et ils ont souvent pas suffisamment d'argent, même avec le commerce équitable, c'est pas des revenus suffisants pour bien vivre pour un paysan. Et voilà, donc ça, quelques commentaires à maton rompu. Merci en tout cas pour la présentation. Je vais répondre sur les différents points. Alors c'est vrai, concernant la différenciation, en fait, est-ce qu'il y a un label ou quelque chose qui caractérise une filière plus intégrée? En fait, justement, au vu du développement du label Max Havelaar, ce qui se passe, c'est que par exemple, Claro Fairtrade, un des partenaires principaux des magasins du monde, en fait, vous trouvez beaucoup de produits de Claro Fairtrade dans les magasins du monde, tant des produits alimentaires que des produits d'artisanat. En fait, pour l'alimentaire, Claro a décidé de ne plus être preneur de licence du label Max Havelaar parce que justement, les standards ne correspondent plus à leurs propres standards. Et donc, vous trouverez progressivement, en fait, plus ce label sur les produits de Claro Fairtrade. Et puis, ils ont développé un macaron qui distingue, en fait, leur démarche. Il s'est passé la même chose en Allemagne avec la GEPA, qui est, en fait, l'équivalent de Claro en Allemagne, qui, déjà, il y a 2 ans, sont sortis du système Max Havelaar et ont développé un label GEPA Plus pour, justement, montrer, finalement, quelle est la différence entre filière intégrée et filière labellisée et quels sont les différents standards derrière. Par rapport à la présence de produits labellisés en grande surface qui finalement sont issus de plantations, par exemple, ou de systèmes agricoles à grande échelle, c'est justement un des aspects critiques. Aussi, par exemple, si on regarde le marché des roses labellisées, c'est vraiment des cultures vouées à l'exportation spécifiquement et puis qui ne favorisent pas forcément le développement local ou bien le développement de cultures vivrières sur place. Donc, c'est vraiment un des revendications des acteurs du commerce équitable, c'est vraiment d'une part, ne pas produire que pour l'exportation, enfin vraiment développer des filières locales, de diversifier aussi la production, parce que c'est pas une solution de vivre pour exporter, enfin de produire pour exporter, et de garder vraiment cette échelle humaine. Et puis, la plupart des producteurs avec lesquels on travaille pas avec des plantations, sauf pour le thé, en fait, où là, c'est que des systèmes de plantation pour la production de thé. Mais ça reste des plantations à échelle humaine, aux mains de coopératives de producteurs. Il y avait encore un autre point. Ouais. Si on reprend l'exemple, par exemple, de la coopérative El Seibo, en fait, ils sont en train de développer tout un système de culture associée avec les cacaoyers, avec des agrumes, pour justement développer aussi le marché des produits, enfin des oranges, des citrons, qui s'écoulent sur le marché local.
Mais c'est vrai que ça prend du temps à mettre en place. C'est des choses voilà, qui s'intègrent justement dans ces partenariats à longue durée avec les acteurs de commerce équitable. Oui, et puis juste pour redire sur le partenaire donc des magasins du monde, qui est un des principaux fournisseurs qui a décidé de ne plus apposer le label Max Havelaar. On voit ça un peu partout maintenant aussi, que ce soit dans les vins, les gens qui ne veulent plus avoir l'AOC parce que c'est contraignant ou parce qu'ils sont obligés de traiter leurs vignes alors qu'ils ne veulent pas les traiter. Il y a plein de cas comme ça. Et aussi, notamment dans les cosmétiques, on n'a pas beaucoup parlé des cosmétiques, mais il y avait un label Écossaire et pas mal de labels de cosmétiques bio qui sont devenus un peu plus permissifs et puis de plus en plus. Et puis, il y a des marques comme... Enfin, je ne vais pas citer de marques, mais il y a des marques très, très... qui poussent les critères environnementaux, sociaux, etc., qui ont décidé de sortir, d'enlever le label, de créer leur propre label ou de ne plus en mettre du tout. Donc, en fait, finalement, la conclusion, c'est que c'est toujours le consommateur qui doit se renseigner par lui-même. Ou alors, voilà, ou alors aller dans les magasins spécialisés comme les magasins du monde où les bénévoles savent ce qu'ils vendent, etc. Ou alors s'abonner au journal de la FRC pour être informé. Parce qu'il y a quand même des acteurs qui font le travail à la place du consommateur, mais peu. Et puis, voilà, le consommateur a quand même une grande part de recherche personnelle à faire. Je crois qu'il y a aujourd'hui comme un marché des labels où les labels, maintenant, ils sont de plus en plus amené à se distinguer d'autres labels. Donc, il y a des labels qui se font, qui se disent, voilà, on va être un peu moins contraignant. Et puis, après, voilà, comme vous l'avez dit, après, il y en a d'autres qui se disent, bon, ça ne nous suffit plus. Donc, nous, on veut un label qui est, voilà. Donc, il y a tout ce qu'on retrouve normalement dans un marché où vous avez différents producteurs qui essaient de se distinguer par rapport à une image de marque, au prix, etc. Pour le label, pour les différents labels, vous avez un peu quelque chose de similaire qui se passe. Hein. Parce que voilà, c'est devenu quand même aussi un marché. Et donc, du coup, on voit ces évolutions-là, je crois. Ouais, quand on voit du café équitable à 100% chez Starbucks, on a quand même le droit de se poser quelques questions. C'est quand même un peu bizarre à une telle grande échelle. Et puis, je ne sais pas, on n'a pas beaucoup parlé au niveau du textile, je ne sais pas si vous avez étudié, mais pour le coton bio, c'est pareil. Moi, quand j'ai fait mes études dans le conseil en environnement, à l'époque, le coton bio, c'était émergent. Et les seules marques qui en faisaient disaient qu'ils ne pouvaient pas se fournir parce qu'il n'y avait pas une production assez grande. Et maintenant, on en voit partout. Mais ils le trouvent où ? Voilà, c'est ça. C'est pareil aussi que dans les produits du commerce équitable. À nouveau, je sais pas exactement, mais c'est très probable que ça dépend à nouveau beaucoup de labels. Hein. Donc, pour déjà dire c'est du coton bio, tout le monde peut. Enfin, il n'y a pas vraiment de contrôle à la base. Donc, à la fois, quelqu'un peut se fournir sur le marché où il y a peut-être du coton bio. Mais après, est-ce que c'est contrôlé ? Après, s'il y a un label derrière, on est déjà plus sûr parce que, voilà, si vous achetez un produit avec le label Helvetas coton bio, je crois que vous êtes plus sûr que c'est vraiment du coton bio. Mais une marque comme H&M, effectivement, elle se fournit sur le marché où il y a maintenant une offre de coton bio qui est de plus en plus grande. Mais voilà, on se demande. Enfin, c'est probable que ce n'est pas que ça dedans. Oui. Alors, on a un apéritif bio maintenant, si jamais vous voulez. Il y a encore une question où on peut aller boire l'apéritif et poser les questions où tu veux. Non ? Merci. Du coup, j'ai loupé la vidéo.